fait, c'est un apprentissage. Je suis en train de chercher à apprendre à jouer la croix, puisque c'est un instrument qui aidait aussi à dire les histoires et aussi à raconter les histoires des ancêtres, du passé et de l'avenir aussi. Et comme un artiste, il peint son histoire et aussi peint l'histoire de l'avenir. Et des fois, c'est là même que les gens n'arrivent même pas à comprendre que l'art, quand la plupart des gens me posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'art, je dis bon, l'art c'est... Quand quelqu'un comprend l'art, ce n'est plus l'art. L'art, c'est un mystère. C'est, comme les Anglais le disent, un known. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas comprendre. À partir du moment où vous allez comprendre l'art, ce n'est plus l'art. L'art nous amène à aller dans le fond, dans la profondeur des faits, et dans la recherche. Infini. À partir du moment où vous comprendrez là, ce n'est plus là. D'abord, je me connaissais. Et j'ai cherché toujours à me connaître. Et c'est vrai que je n'ai pas fini de me connaître, c'est vrai, mais j'étais aussi atteint à un niveau de compréhension de la colonie, et du colonisateur, le blanc, et la façon dont il est venu nous manipuler, et d'abord en voyant les églises, et en voyant comment nous avons laissé nos traditions, nos propres, pour embrasser le propre de l'autre. Et comme je l'avais déjà dit, nous sommes la seule race qui a abandonné sa culture, sa personne, et embrassé la culture des autres. Je ne dis pas que de toutes les manières on a commencé, mais la manipulation des faits dans ces églises n'est plus quelque chose de catholique de chez nous. Parce que chez nous, c'est nos ancêtres qui ont commencé, bien sûr. Et c'est à partir de nos sagesses que tout ce que vous voyez dans les églises sont faits. Mais pourquoi nous allons laisser nos traditions? Donc déjà, au départ, moi, j'avais déjà compris et l'intuition m'est déjà venue. Et moi, je me dis toujours que, vous voyez, nous, en tant qu'humains, on a été toujours premier dans toutes les choses. Mais si on a laissé l'occasion à quelqu'un de venir nous dicter, et même nos dirigeants, et là je dis non. Et en tant qu'artiste, moi je savais qu'un jour, la conscience africaine serait élevée, et qu'un jour, l'Afrique piétinera la dignité française. Parce qu'elle nous a trop piétinés, elle nous a trop marginalisés. Et je ne parle pas de la population française, je parle bien sûr de la politique française. Et j'ai, comme je l'ai souvent dit, ce tableau était dédié, était fait, il y a plusieurs tableaux. Il y avait, c'est le seul tableau que vous avez vu, mais les trois tableaux que j'avais dit, il y avait le franc français, le franc CFA, que j'ai peint aussi. Il y avait aussi... les 15 premiers présidents qui ont eu les indépendances, qu'on a assassinés, y compris mon premier président, Sylvanis Olympio. Et donc, j'ai tous ces tableaux-là qui sont là, parce que moi, je vois déjà, c'est ça qu'on appelle l'art. Et un artiste, il faut qu'il soit un visionnaire. Et moi, ça veut dire que chez nous, nous avons déjà les patrimoines qui montrent qu'aujourd'hui on crie un peu partout et que bon, il y a des panafricanistes, et puis demain il n'y avait pas en 2010 un audacieux qui pouvait peindre une œuvre, un homme piétinant le drapeau français. Il n'y avait pas, et tout le monde avait peur, mais moi j'avais en moi ce courage de le faire parce que j'étais qu'un artiste.
Alors, donc, si je comprends bien, au départ, vous aviez, j'étais resté dans la dynamique de... J'ai été toujours un panafricain. Voilà. J'ai toujours lutté pour mon Afrique. J'ai toujours lutté pour mon propre pays, le Togo. Bon, quoi qu'on le dise, moi, j'ai toujours aimé mon pays. Quoi, ça dit qu'on est mieux chez soi que qu'ailleurs. Et donc, allez-y en Europe, la façon dont les gens nous traitent. Et quand on vient ici, c'est chez nous. Mais quelle que soit l'atmosphère dans laquelle nous vivons, je pense que personne n'est mieux qu'ailleurs que chez soi. Et donc, moi, il y a beaucoup de choses que je ne veux même pas, on ne va même pas couvrir aujourd'hui parce que, bon, c'est un autre débat. Bon, c'est comme me demandant, est-ce que je vais devenir un jour blanc? Donc voilà, je suis noir, j'étais né noir, je vais mourir noir, je vis noir, je vais mourir noir. Et donc il n'y a pas lieu pour moi, en tant que talé, de dire que je vais changer, ou bien changer ma peau, ou bien ma personne, ou bien ma mentalité. Je suis un Africain et je suis fier d'abord d'être un Kabyé, comme je l'ai toujours dit. Et je suis fier d'être un Togolais et je suis fier d'être un Africain. Et donc rien. Et il y a des œuvres que je suis en train de travailler, sur lesquelles je suis en train de travailler. Et quand tu regardes dans toutes les œuvres, il y a la calebasse. C'est-à-dire même sur le drapeau, quand vous regardez l'œuvre, et cette œuvre que vous voyez présentement, où c'est mon portrait lui-même, c'est mon portrait moi-même que j'ai fait, et étant moi piétinant la dignité française, parce qu'elle nous a beaucoup piétinés, beaucoup longtemps, trop longtemps piétinés, marginalisés, et mettre dans la boue, faire de n'importe quoi, faire de la saloperie. Si les gens, si l'Africain pouvait comprendre, ou si le Togolais pouvait comprendre,